tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite sortie hier avec les copains et surtout on va tester le 27,5 le nouveau vélo, le Pipeline de chez Rocky Mountain. Allez, à tout de suite en vidéo. Il est où, Baba? Impressionnant, vous qui a. Bon, ça fait la première partie de la montée. Franchement, je m'attendais à être plus scotché au sol avec les gros pneus en 2,80. Le vélo, il roule comme un 27,5 normal. Alors par contre, malgré ça, j'ai du mal à suivre les copains, mais ça vient aussi peut-être du plateau de 32, parce que plateau de 32, j'arrivais déjà pas à le tirer avec un 27,5 normal, donc là, je pense que ça vient de là. Et puis surtout la fatigue, parce que je suis malade et j'avais envie de rouler. Oh Baba, ça va? Bon, on pousse un peu. Constat, il est vite réglé. 27,5 plus, c'est pas pour moi comme j'avais prévu les pneus en 2,80. J'ai aucun rendement. J'arrive pas à suivre les copains. J'ai pris un coup au moral. J'en chie. J'espère que en 29, ça se rapprochera de mon ancien 27,5. Après, comme je l'ai dit, il y a un plateau de 32 devant, là, ça aide pas non plus. Enfin, à l'agonie. Ce qu'il y a bien avec les lunettes, c'est qu'ils voient rien. Thank you.
Et si on se met encore une montée à pied, il y a là. Vous êtes sûr qu'ils ont... Bon ben voilà, moi j'en ai assez, je coupe, j'en peux plus, j'en ai plein les jambes. 27,5, bon ben c'est comme je pensais, c'est trop gros pneu pour moi. Couplé au 32 devant, ça a eu raison de ma volonté. Allez, on se rend tranquillou aux voitures. Voilà, ben, sortie finie, donc du coup j'ai coupé. Je prévoyais que j'avais pas les jambes pour tirer des pneus en 2,80, ça a pas loupé. En plus avec un plateau en 32, je me suis tué, je suis mort de chez mort. Alors pour l'instant, premier ressenti, ben, rendement c'est mort. Hein. On verra en 29, j'espère que ça ira mieux parce que c'était à la base pour ça que j'avais changé, que je voulais changer de vélo et que j'ai pris un 4 tout carbone pour un peu plus de réactivité, donc là bon. Un petit peu mort aujourd'hui, un petit peu déçu, mais je pense que ça ira mieux après. Par contre, en descente, agréablement surpris, bien sur le vélo, ça descend bien et fort. Amortisseur arrière mal réglé, du coup ça filait des coups de raquette derrière, mais à peaufiner tout ça, que du bon. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, et si on se revoit, et passez de bonnes fêtes à tous. Ciao tout le monde.